C'est en fait. Oh, c'est trop drôle. Et ouais, y a moyen de faire des courses de drones. Ouais, faut, avec un drone bouffé. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous vous faisons un déballage de malade mental. Mais surtout un concours. Mais surtout un concours, évidemment. On vous offre ce mini drone qui est magnifique. Donc évidemment c'est une vidéo en partenariat avec OK, on n'est pas rémunéré mais on a reçu les produits pour pouvoir les tester, c'est plus pratique. Donc ce drone comment il s'appelle? Il s'appelle le... Mini drone... C'est le OK mini drone, de toute façon il n'y en a qu'un seul. Non il y en a un deuxième plus gros, oui. À 80€. Celui-ci coûte 20€ donc franchement c'est vraiment pas cher. 20€, c'est un cadeau que notre partenaire vous fait, il vous l'enverra directement. Pour participer il faut liker, commenter leur page je pense. Oui on vous mettra la modalité en description. Ouais, ou ouais. Et c'est directement la marque qui se chargera de ça. Donc le drone, eh bien parlons-en, puisque c'est quand même le sujet. C'est un mini drone. Il est vraiment pour le coup petit. Hein. Un demi-doigt presque. Attends, je vais faire la mise au point. Ouais, voilà, il fait un demi-doigt, vous voyez si je mets. Voilà. C'est minuscule. Hein. La télécommande est toute petite, c'est vraiment. Ouais. C'est classe. Bah, en fait, clairement, ça se met dans une poche, regarde. Ça se met dans une poche, c'est le but du drone, quoi. Ouais, c'est bien. Attends, on va quand même faire le c'est un drone qui est assez solide. Ouais, pour l'instant on les a... Tu l'as fait voler toi? Non. Moi non plus. Donc, alors, ça se présente sous la forme d'une boîte. Voilà, vous avez un... Voilà, un anneau, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Plutôt classe. Et après la boîte, vous l'ouvrez tout simplement comme ceci. On va éviter de tout faire tomber. Comme chez Apple en fait, c'est pas mal. Ouais, en plus c'est épuré et tout, c'est... Et voilà, en fait il est directement comme ça à l'intérieur, donc vous pouvez voir, il est protégé, ça bougera pas. Et surtout les services de livraison sont vraiment sont géniaux. Parce que là on l'a commandé avant-hier je crois. Non, hier. Ah ben non, hier. Hier vers 15h. Hier on l'a demandé à René, c'est Tianyu Dazzling le livreur. Et on l'a eu aujourd'hui, voilà. Alors que c'est pas livraison premium ni rien, enfin je pense pas. Si, livraison premium. Ah oui, Amazon Prime, ouais. Oui, donc revenons à notre sujet, le drone. Voilà, vous pouvez le retirer comme ça. Et en fait, vous avez simplement... Ah d'accord, je sais pas comment on fait pour l'enlever. En fait, tu... Tu tires dessus directement? Non, tu le baisses, tu vois. Tu mets du mou en dessous et après t'enlèves la... T'enlèves ah oui, je vois. Ouais, oui, tu glisses ton angle en dessous, mais j'en ai pas. Ah, ouais, moi non plus. Tac. Voilà, ah c'est un peu élastique et tout. Ça ouais. C'est pas mal, hein. Ouais. Et voilà, le drone, vous l'avez déjà vu. Et en plus, il y a des petits... Vous voyez, des petits coussinets comme ça, pour pas mal, si jamais ouais, vous pour l'atterrissage assez violent. Ouais, franchement c'est bien. Au niveau de la durée de vol, on est sur... Plus de 8 minutes à annoncer, on verra en pratique après. Ouais, normalement on est sur quelque chose comme 10 minutes. Et combien de temps de charge? Moins d'une demi-heure pour moi. Moins d'une demi-heure de charge. Annoncer une demi-heure, on fait 25 minutes quoi. Ouais, voilà. Ensuite la télécommande, on vous l'a montré, hein. Les commandes sont très simples. Vous avez le on-off ici. Ouais, vous avez le on-off ici. Voilà. Elle fait un bruit quand elle s'allume. Oui. T'as les mises au point. Voilà, donc les gaz haut, bas, pour rotation gauche, rotation droite, avancer, reculer, à droite, à gauche. Ici vous avez le trim, pour ceux qui savent ce que c'est si jamais le drone ne se comporte pas bien pour ajuster. Et là, sur un drone à 20€, vous avez le... La touche décollage et atterrissage automatique, et franchement ça marche bien. Il va se stabiliser à environ 1,5 m. Et vous pouvez faire des flips en appuyant sur ce joystick. Et après choisir le flip et après les vitesses ici. Donc on peut armer les moteurs, donc c'est-à-dire le poser au sol d'après ce que j'ai lu. Bah ça on va regarder sur le mode d'emploi parce qu'on sait pas du tout comment faire. D'après ce que j'ai lu c'est le poser au sol, juste armer les moteurs et après tu mets les gaz comme tu veux. D'ailleurs il y avait le mode d'emploi dedans qui se présente sous cette forme. Autant tout présenter. Non mais en plus il est bon en français, c'est pas une traduction géniale mais ouais c'est un petit peu du canadien presque. Ouais voilà c'est ça. Du québécois. On part sur une chaleur de type extrême. Ouais. Bon bah je vous propose de le faire voler puisque vous pouvez également le gagner. Autant le faire voler. Bah oui. Voilà les amis, on a posé le drone par terre, vous voyez, vraiment minuscule. Et maintenant on va le faire décoller donc normalement avec la touche qui est au milieu pour faire ça. Vas-y. Et vous voyez, le drone se stabilise tout seul à... Voilà, bon, il est à quoi? Il est à 150 cm. Voilà, vous voyez vraiment, ça fait un tout petit bruit. Et c'est vraiment hyper, hyper drôle. Un petit flip. C'est drôle quand tu sais le piloter. Ah ouais, franchement, c'est bien.
Bon, la portée est annoncée à 25 mètres. 25 mètres. Mais bon, on n'a pas testé. Mais là, franchement, vous voyez, on le fait aller à quoi. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper drôle. Alors après, bah vas-y, refais-le revenir. Et par contre, tellement c'est petit, dès qu'il est un tout petit peu loin, faut être concentré. Hein. Vas-y, donc là, on va faire un petit flip. Vous voyez, vous appuyez simplement sur le joystick de droite. Voilà, ça fait un bip. Et là, vous choisissez le sens où vous pouvez. Et donc, il va monter un petit peu pour la sécurité, je pense. Pour la sécurité. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est assez haut. Hein. Il est à quoi là? Il est à 3 mètres, 4 mètres? Ouais. Non, franchement, c'est bien. Ah non, c'est 25 mètres de hauteur. Hein. Ouais, 25 mètres de hauteur et de. Tu le fais derrière? Non. Non, il y aura un petit bruit. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Quand je le fais atterrir, il y a un petit bruit. Il y a 3 vitesses. Là, il atterrit. Là, vous voyez, il atterrit tout seul. Arthur touche plus aux commandes. Bon, il décale un peu. Hein, ouais, bah après, c'est un petit drone. Il a pas de GPS ni rien. Vous voyez, il a trouvé le sol tout seul. Voilà. Bon, ça peut pas être aussi précis qu'un drone avec capteur, évidemment. Enfin, avec GPS, etc. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a les 3 vitesses différentes. Laisse en vitesse. Ouais, je crois. Bah attends, clique sur le joystick. Là, ça fait un bip, donc on est en vitesse 1. La vitesse 2 et la vitesse 3. Et franchement, pour dehors, c'est mieux la vitesse 3 parce que franchement, quand il y a un petit peu de vent, si vous mettez en vitesse 1, le drone va pas avoir. Donc, on disait que sinon, on avait une méthode pour armer pour les moteurs. Armer les moteurs, ouais. Donc, au lieu de toucher directement la touche décollage, on peut armer les moteurs. Donc, ça veut dire que ça va simplement les allumer. Les allumer. Et vous voyez, vous faites cette commande. Voilà. Et là, le drone allume les moteurs sans bouger. Ça peut être pour tester les hélices ou tout ce que. Ah, ça fait des effets excellents. Regarde. Ah bah là je le décolle tellement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là vous le faites décoller comme vous voulez. Et pour le faire. Et pour le faire atterrir, c'est la même commande. Donc là je me mets genre à 1 mètre. Voilà. Voilà. Et là il a fait, je sais pas si vous avez vu, il a fait les deux commandes et donc forcément il a atterri tout seul. Ah t'as vu la poussière. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait dire d'autre sur ce petit drone? Les amis, nous sommes rentrés à la maison dans le froid. Et là en fait les drones sont déchargés, donc on va juste vous montrer ce que ça fait. Donc évidemment on l'allume ici et par ailleurs on peut le charger ici. Et vous voyez, ça fait un petit clignotement comme ça. Donc on charge directement le drone en fait, on charge pas une batterie. Ouais, on peut pas. La batterie elle est pas movible. On a déjà eu des drones, on pouvait enlever la batterie, mais celui-ci non, il me semble pas. Voilà, et donc c'est très simple pour le charger. Vous avez je vais filmer ici, bon c'est pas les meilleures prises que vous ayez vu de votre vie. Mais vous avez un câble jaune comme ça en fait. Par contre, tu verras que c'est vraiment compliqué à connecter. Ah ouais, ah ouais, bah c'est les prises de modélisme. Voilà. Voilà, et vous voyez, c'est rouge. Et quand il sera chargé, ça s'éteindra. Et ça met environ 20. Moi je dirais 20 grosses minutes. Ouais. Voilà, éteins-le. Je sais pas ce que ça fait si tu l'allumes. Voilà, donc franchement, on a quoi? On a joué 10 minutes avec. Franchement, c'est vraiment hyper amusant à contrôler. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Pour participer au concours, très simplement, vous likez la page OK France. Vous avez le lien. En description. Qui apparaît aussi. Vous likez la vidéo, la commentez et vous serez tiré au sort parmi les commentaires. Si vous voulez participer, vous mettez je participe sans faute de français. S'il y a une faute de français, vous serez pas pris. Hein. C'est la règle de la chaîne. Non, mais vous mettez je participe. Voilà, donc les drones, c'est 20€ si jamais vous voulez. Ils sont sur Amazon. Et voilà, le lien dans la description. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici pour la vidéo des drones qu'on avait posé sur un lac gelé. Si vous aimez ce genre de vidéo. Ouais. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez encore plus de vidéos avec OK, parce que franchement ils ont vraiment des super vraiment une bonne produits. Marque. Ouais. Et franchement les drones, franchement si vous gagnez pas le concours, bah achetez-les parce que franchement c'est vraiment hyper drôle à faire voler. 20€ c'est vraiment pas cher et c'est vraiment un super. Et puis en plus si c'est hyper résistant, on l'a fait tomber 10 000 fois, il a rien du tout. Ouais. Enfin voilà les amis, j'espère que vous avez aimé et puis à la prochaine ferme normande sûrement. Ouais. Salut tout le monde. Salut.